on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Donc on était plutôt pas mal, on a fait une bonne remontée. On s'était qualifié pour la demi-finale quand on joue maintenant face à Monaco. On avait battu Marseille, contre Angers. Ah oui, contre Angers c'était la défaite qui nous a fait mal, celle-là on avait gagné 4-1. Là on avait gagné 1-0, gagné 2-1, gagné 2-1, gagné 3-1, gagné 3-1. Et voilà, on a enchaîné pas mal de bons résultats. Donc on va essayer de continuer comme ça dans cet épisode les gars, parce qu'on va jouer Monaco demi-finale à l'extérieur. C'est pas facile du tout, il y a tout RPG et tout, c'est même pas ce qu'il faut là. Ouais. C'est comme ça, donc dans notre version finale, on a tout cas pour aller se qualifier. Ensuite, on jouera Toulouse et Lille. Et dans le prochain épisode, il y aura le derby. Et dans l'épisode prochain, il y aura un gros match face à West Ham qui va vraiment être intéressant. Donc, on est parti. On ne peut pas forcément le combien de match. Donc, on va prendre le maillot extérieur. À quoi que non, parce que non, que le maillot de Michel ressemble un peu au maillot blanc de Saint-Etienne. Donc, non. Je ne sais même pas pourquoi c'est en légende automatique. Donc on va mettre en clair, donc la compo, on va mettre l'effectif hein, bien évidemment. Pogba, Perrin, Malcuit un peu fatigué, Ali, toujours blessé quoi. Buzzword Abo, ouais, c'est pas mal. Oh, Lozano de retour, ça fait plaisir. On va mettre Tanan, Beric et Augustin. Ah oui, le buteur, ah gros. Ah ouais, j'avais complètement oublié pour recruter le buteur. Ah ouais, je suis pas du tout renseigné. Ah, c'est vraiment la promesse de vidéo. On ira se renseigner, j'irai lire vos commentaires de la dernière vidéo pour le buteur. Donc on est parti pour le match de ce match. La vitesse. Le centre, Beric. Oui, jusqu'au Robert Beric. Première action les gars. C'est magnifique, le retour de Lozano qui se transforme automatiquement avec une passe décisive pour le buteur Beric qui fait super plaisir. Voilà, franchement c'est bien, Monaco qui perdait pas mal le ballon, qui était quand même pas dangereux, mais voilà, c'était intéressant. Et là voilà, magnifique éventuellement de Beric. Le finisseur, le place du pied magnifique, ça fait 1-0. Pour le moment les gars, on est bien parti pour aller se qualifier au final. C'est déjà son troisième tour, on a dit comme c'était pas mal. Donc maintenant il va falloir essayer de continuer à... Voilà, on a rien à défenser les gars, on est même pas. C'est bien défendu, on va essayer de tenir les gars. Parce qu'on bute avant la mission, c'est quand même pas mal. Attends, on met de la peau contre, comme d'hab. Non, tu l'as pas! Oh la Ruffier! C'était chaud! Putain, j'ai cru que ça allait quand même rentrer. Très beau corner, mais j'ai Ruffier là, il m'a fait peur. J'ai cru qu'avec le rebond ça allait rentrer. Ça passe pas loin, ça passe pas loin, toucher la barre et rentrer dans le but. On met une grosse occasion pour Monaco. Ruffier, tu l'as? Voilà, magnifique. Non, putain, j'aurais pas dû faire ça. J'ai bien joué, mais c'est pas lui, je capte pas forcément. Pas mal. Non, la voilà, c'est bélier. Falcao, Moutinho, Falcao. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ruffier qui vient nous sauver, les gars. On est là encore. Bien joué. C'est une très belle action. Là, Monaco qui nous domine. Voilà, 63% de balle pour Monaco. Donc, clairement, la possession. Ruffier. Putain, il est trop bon. Oh là là, Ruffier qui nous sauve. On est clairement chanceux. On ne mérite pas de mener. Mais bon, on est toujours devant. Ça va tenir jusqu'à la mi-temps. Voilà, c'est chaud là. Contre mi-temps, les gars. On mène à 0, les gars. C'est franchement, on est réaliste, hein, et nous à tour, il faut un contre le PSG, ils sont chauds. Donc on s'en sort très très bien, on a eu une occasion, un but, voilà, un tir, un but. Et on a fait trois tirs, mais c'est trois grosses occasions, et Ruffier qui nous a sauvé à trois reprises. Donc voici que tu es comme ça les gars en deuxième mi-temps, même s'il serait bien d'être moins dominé, mais bon voilà, c'est normal, c'est Monaco. En plus on est mené, donc forcément ça avait poussé, ouais, c'était compliqué. Alors, là on est pas mal, là on est dans le camp de Monaco qui s'en profiter. Oberich, Belge reçoit, oui, Robert Belge d'oubli, yes les gars, voilà, c'est sévère, on est plus réaliste, voilà, et Belge il a eu deux tirs, deux occasions, deux buts, c'est magnifique, belle action, il a frappe de Belge, voilà, je sais pas trop quoi faire, début je vais faire dans mon petit, je vais prendre une en reste, on décote pas, on fait patate, ça peut rentrer, voilà, c'est rentré, encore une belle action collective. Voilà, genre oui, cacahuète s'est passé, les gars, 2-0. On s'en sort bien. Maintenant, on va essayer de gérer le match tranquillement. Défensivement, on est bon, donc on continue comme ça. Oh, il y aura plus ça dans l'action. Alors, c'est pas grave, les gars, on se qualifie 2-0. À l'extérieur, on est franchement chaud. C'est le premier mi-temps, ils dominaient. Et le deuxième, on l'a dominé. Voilà, ils n'ont pas fait un seul tir. Et nous, on a fait, voilà, c'est une victoire méritée.
Ils auraient peut-être mérité de marquer 2-2, mon gars. Ouais, tout mon gars, il rigole pas. Il rigole pas. Oh putain, non, le PSG qui se qualifie. 4-3 pénaux, la chatte, il y a eu 3-3 pénaux. Voilà, ce sera le PSG en finale. Je vais pas le cacher que j'aurais préféré Tour. Pour pas te cacher, je préfère affronter. Non, comment il s'appelle Non, c'est pas du coup. Oh merde, je sais plus comment il s'appelle. Le mec de Tour, bref. Donc, des superstitionnalisés. C'est des choix, il faut que je respecte, ta mère. Je respecte et bon, enfin, donc j'ai vraiment 4 ans de général, j'avoue que j'ai vraiment très kiffé, mais le problème c'est que je pense que c'est mort parce qu'il coûte 25 millions et au moins. Et là on n'a pas assez de budget, c'est ça que je pensais à ça. Je pensais faire demander de l'argent au club, mais dans ce FIFA maintenant on ne peut plus malheureusement. Donc je vais devoir me débrouiller avec mes sous, c'est-à-dire que j'ai sous déjà. Pas du tout. Mais j'ai plus un moins 9 millions en tout genre. Ah non, c'était un bureau, je crois. Ouais, c'est ça. 9 millions, ouais, presque 10 millions. Donc c'est pas énorme. Enfin, c'est bien, mais je veux dire, les germains, tu vois, c'est déjà moins ambitieux sur le nom du buteur. Guess what, il y a peut-être moyen. Alors, bah oui, je me souviens plus. Est-ce qui était intéressé par où, qui n'était pas. On va laisser à mon abo, je crois pas qu'il était intéressé. Est-ce que je pourrais pas voir? Putain, je peux pas voir. Même si nous sommes intéressés par joueur. Ah si, c'est intéressé, c'est 15 millions. C'est trop. Ah ouais, il va faire le même salon, je crois pas. Il va être 8 millions. Il va être 8 millions 5. 8 millions 5, on va mettre plus. Hein. Un petit devoir à la plus bas simplement. Donc il y a des moyens de dégâts, c'est déjà un mec. Alors putain, un mec qui est quand même au-dessus de Doru. J'ai perdu un régler aussi. En fin de contrat, mais le problème c'est que si j'ai acheté un régler en fin de contrat, j'aurais tout à fait. Bon, il y a Mukanjo qui est rapide. C'est tout qu'il est. Il sait faire. Après, ah non, il est venu là quand même. C'est le 14 général. 23 ans, ou il y a combien de général? Il est 14, 75. 75 ou 74? Il est 75, 28 ans. Ouais, au pire, ce qu'on peut faire, c'est que je recrute Ninga et je prends le dernier en fin de contrat. Je pense qu'il y a moins que je peux m'aider. Donc on va essayer de faire ça, les gars. Je suis pas sûr qu'il accepte là, parce que bon, je propose pas forcément de mettre important. Ils n'ont pas le moins de façon, mais ouais. Je pense que ça peut être pas mal, mais le problème, c'est qu'il y a un mois l'année prochaine. Donc, Ninga, il demandait 6 millions, il me semble. On va essayer de plus roux. Donc, ouais. Alors, c'est un problème, c'est que j'ai pas forcément un gros budget. On est peut-être mieux obligé de négocier. Je vais vite fait voir les commentaires. C'est peut-être. Alors, donc on connaît Berenio et Pia, et à ce moment Germain, ouais, Germain serait top, mais bon, c'est beaucoup trop cher. Mukanjo, Braithwaite. Même Mukanjo, c'est trop cher. Même Mukanjo, c'est trop cher, donc je pense que la meilleure solution, c'est Casimir Ninka. On va faire ça, je pense. Plus que Berenio, enfin, contrat, ça peut vraiment être pas mal, hein, parce que Berenio, c'est un bon joueur. On peut passer à côté de Berenio, gratuit, et comme ça, c'est. C'est quand même dommage. Donc on va voir leur réponse, les données à l'héro. Tiens, ma maison à l'emprise, c'est lequel, en plus ça peut être sûr, voilà. Peut être sûr, ce qui est parfait. Donc ça ligue 1. Ah ouais, là, sa valeur elle a augmenté là. Sa valeur elle a augmenté. 4 millions, on peut le vendre 4 millions. J'ai plus envie de vendre finalement que le mettre dans la collection. 4 millions 3, parce que là ça nous ferait peu 4 millions 7 on peut. Ouais, c'est Bernard qui gagne bien, mais... Eh, franchement c'était pas mal, on sait pas qui propose autant. On avance pour le match face à Toulouse, ce mercato il se finit là bientôt.
Ça va? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc là, putain, ouais, mais ça veut dire que j'espère qu'ils ils vont pas accepter à Montpellier parce que je me trouve niqué. Enfin, c'est bon, ils ont pas accepté niqué. Buzzer, c'est moi. De Guerne, c'est déjà longtemps. Sonton, il vaut entre 15 et 20 millions. Je vois pas les couilles, poteau. Open Max, entre l'action. On va mettre 8 millions parce qu'il demandait 7 500 000, mais bon. C'était avec Roux, donc là, j'ai viré Roux. Je ne vais pas m'en servir ailleurs. Dans la vie ici. Bah, je pense que si tu adorais la vie ici, tu aurais accepté de prolonger, tu vois. Parce qu'il n'y a pas enfin de contrat, donc ferme ta gueule. De me prendre pour un pigeon. On va mettre 55 000. On va mettre un discuteur parce que je ne suis pas sûr qu'il accepte de prendre. Bon, ça a l'air bâtard. Je sais pas combien on veut. J'aimerais bien que mon gars puisse finir ça vite. Pas que j'ai une réponse de Montpellier. Alors moi je passe à Toulouse. Putain. Ah non, c'est pas souhaite. Ouais, pas souhaite, c'est mort. J'espère que c'est Toulouse, c'est Gagnon qui va l'avoir parce que bon, ça me ferait chier autrement. Bon, plus cher Gagnon. Donc, on est parti pour le match face à Toulouse. Alexa, on joue beaucoup avec ça dans cet épisode. Non, on va prendre le blanc. Face à Brest, vous voyez, pour l'instant, on joue que contre des équipes où on est intéressé. Est-ce que je teste en légende? Allez, vas-y, on va tester en légende pour ce match. On va voir comment c'est. Donc, bah, vous, finalement, ça doit être un dommage. Finalement, ils vont encore jouer. On va mettre un noir, on va mettre Mané au mid-terrain, on va faire un petit peu tourner. Excellent. Ah, on va libérer tous ces. Hop, dans l'axe, on va mettre le marchand. Et là, on fait un peu tourner, voilà, pour que tout le monde soit content. Bon, Malcu, il n'a pas le choix, il n'a toujours pas vraiment de blessure, Tati Catherine. On laisse Ruffier dans. Ah ouais, non, putain, j'ai oublié de mettre Lafond. Moi, je vais couper, on va mettre Lafond là. Comme ça, il nous pardonnera. Donc, on est parti, les gars, pour les meilleurs sons de ce match. On espère une victoire en légende, ça va être compliqué. On va voir si j'ai une légende ou pas. Donc, c'est parti. J'ai peut-être pris trop la confiance. J'aurais peut-être pas dû jouer en légende. J'ai essayé, c'est vrai que comme Monaco en champion, j'ai eu. Bah, j'ai souffert un petit peu, mais ça va, tu vois. Monaco, j'aurais dû souffrir plus. Donc, ouais, c'est peut-être. Je pense que je vais remettre en champion après parce que là, c'est début de match, mais bon, il est vraiment chaud. Joue la vitesse. Oh, la vitesse. Oh là, la passe en roue. Non, mais roue, il était bien placé, sauf que. Oh, la récupération. Oh, mais c'est pas possible. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas possible. J'étais concentré. Putain, roue, tu veux la mettre. Mais j'ai pas compris le placement du gardien. Normalement, il doit être. Merde! Hey, il a super bien joué le coup, l'enfoiré. Enfin, moi, il a en piche. Oh, ouais, putain, j'ai envie de tirer le premier poteau. Oh, il a super bien joué le coup. Mais bon, faut pas savoir qu'il est anticipé. Et là, Berich, mon gars. Oh, mais gros, mais t'es un handicapé, Berich, ce coup-là. Putain. Ah, vas-y, je suis là. Même Mazou, stoppé leur ami. Ah, dédicace aux vrais qui connaissent Mazou, mon gars. Ouais, putain, je suis dégoûté, ça aurait été parfait. Première option, allez, on va changer d'aide, bien joué avec Amouma, bien joué, oh, dans l'axe avec Veretout, on a pu tirer, Roux, la passe est pas mal, Mané, on peut jouer, oh c'est pas possible, oh, dommage, voilà, on est dans un temps compliqué, mais là on est bien rentré dans ce match, Mané qui était pas loin, ça fait des années qu'elle a mis la finition, ça fait dans le cadre. Oh c'est magnifique! Oh c'est magnifique! Platy! Yes! Oh là là, je l'ai fait l'amour mon pote! C'était violent! Je suis désolé mon gars, je m'excuse parce que c'est trop les choses. Il y aura plus d'avantages parce que là j'avais fait la passe à roue. Ah non, il fallait tout avoir, d'abord. Et là c'est Bobovic. Oh là là, ça m'a fait aussi. C'était pas juste avant le temps, c'était parfait, c'était limité. Bobovic face à gauche. Ouais, on va commencer bien sûr. Yes, contre but parfait, je tire tout droit à droite. Ça me porte chance. Berich, 3 buts en 2 matchs. Il est chaud dessus Robert, ça fait 1-0. J'avoue que j'ai un peu peur quand j'ai vu le niveau légende en début de match. Je me suis dit, ouais, on va remettre en champion. Mais là, finalement, on s'est bien réveillé et c'est mérité, franchement. Voilà, contre but parfait, rien à dire. Bien placé, ça fait 1-0 et c'est son 10e but en Ligue 1. Donc, ouais, il a mis peut-être que 10 buts, c'est pas non plus. Ouf, si, c'est un très bon score, mais tu vois.
Mais il a surtout mis au moins 15 buts, toutes compétitions confondues, parce qu'il marque, il a marqué en Europa League, il a déjà marqué 3 buts en Coupe de Ligue, donc voilà, il plante toutes les compétitions, donc c'est cool. Et il y a Paris-Monaco, donc un concurrent direct qui va perdre des points, voire les deux s'il y a match nul. Donc voilà, 3 tirs à 2, c'est franchement le mode légende, il ne fait pas si fort que ça. Donc je pense que bah, pourquoi pas continuer en légende. Changement, Tolvelen qui remplace Bodiger, le sauveur toulousain Bodiger. Il est très lent, donc voilà, juste. Donc on ne sera pas pris vitesse, par contre, avec son jeu de tête. C'est vrai que j'ai la croix, donc ça c'est une bonne chose, parce que la croix il est très très lent. Mais il aura un redoutable concurrent. Non, je crois qu'il est pressé, il faut pas qu'il se retourne, faut pas qu'il se retourne. Et il s'est retourné, les gars, une fois et pas deux. Quand tu veux, toi. Hein. Il fait quoi, gros? Eh non, mais moi je vais pas faire faute. Hein. Voilà. Il joué. Non. Il est resté au moins un quart d'heure retourné. Voilà, bien joué. Oh oui, magnifique. Oh le contre. Oh le contre. Oh le contre Péric, tu vas ça passer. Oh là, ça c'est but. Ça c'est but. Ça c'est but. Tu la mets Péric. Voilà. Yes, les gars. Ouais, voilà. 4 buts en 2 minutes sur 2 matchs. Alors, en début, franchement, je l'ai passé à vous. Malheureusement, bah, vous, bah, je sais pas pourquoi il a pas voulu suivre l'action. Il a voulu laisser Péric briller. Ça fait super plaisir des jeux, mon gars. La finition, le finisseur, mon gars. Et son 11ème but de la saison au championnat. Ah, il était en attaque de folie, je pense. Il amène bien ce ballon avec lui. Puis là, je sens la grosse frappe. Bien placé, le gardien peut absolument rien faire. On enchaîne une victoire. Suivant, les gars. Next. Et qui prend la confiance, c'est vrai. Il sent chaud, mais c'est vrai que franchement, on est vraiment sur quelques temps. On gagne presque tous les matchs. Il passe en vitesse, il passe en vitesse. Hop. Ah, non, dommage. On enchaîne le carnet. Oh non, il s'est blessé. Mais non, mais j'en ai reculé, bien sûr. Oh, Tannen c'est un fragile. Tannen, à moi c'est un fragile. Pas que sur FIFA malheureusement. Ah oui, c'est passé, c'est Tannen pour l'enrouler. Oh, magnifique, c'est pas fini Roux, s'il te plaît. Oh, dommage, t'es beau de finir sur un but de Roux. Tannen son temps. Et voilà, victoire les gars. J'allais dire 3-0, non, 2-0, encore Berich. Il est monstrueux ce Robert Berich, franchement je vous conseille. Voilà, c'est mérité, franchement, c'est officiel. J'adopte le niveau légende. Voilà, c'est une info très importante qui va faire la une des journaux. Je passe en légende, voilà, clairement, il a fallu attendre quelques FIFA pour atteindre le niveau légende. Voilà, mais enfin, je joue que sur console depuis FIFA 14. Et là, ouais, FIFA, il m'a fallu attendre FIFA 17 pour atteindre le niveau légende. Donc, ça va. Ouais, on n'est pas non plus que 6ème, les gars. Bon, après ça, on a 2 points de la 3ème place qui est Montpellier, mon pote. Ouais, donc on va vite voir les emails. Donc on se fait un peu Maxime Marchand, le retour, et le sait. 3 mois, putain, je sais qu'on n'a pas plutôt. Donc le Marchand, non. Flamme d'aller chercher un défenseur. Donc j'ai pas eu la réponse de Montpellier, il casse les couilles. Ah oui, mais les entraînements. Ah, je comprends pas les entraînements. Donc, il nous reste les 10 dernières heures, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Accepté, yes. Pardon, derrière lui, il n'a pas accepté. Là, il a un poste à l'air, il est dommage. Bon, allez. Je vais mettre titulaire important, pas déconner non plus. Il n'est pas indiscutable à Montpellier, il ne sera pas indiscutable à Saint-Etienne. Ouais, bon. Il demande, il veut plus de salaire, on va mettre 62 millions. Là, s'il refuse, il tasse. Il tasse, bro. Il n'y a pas d'autre choix. Mais ça ferait pas mal d'attaquants après. J'ai des tri à faire avec mon pec qui va revenir, ouais, je sais pas trop ce que je ferai. Donc on avance. Là, est la valeur du club continue à croître. On va aller voir ce petit article. Accepté, yes. Ah oui, putain, il lui casse. Oh, oh là là. Après, j'ai pas le forcé non plus, tu vois, mais. On va jusqu'au bout, on va essayer. On l'aura. Il nous reste assez d'argent pour coûter en 70 000. Là, franchement, c'est refusé. Parce que j'ai assez quand même. Ouais, j'ai assez. Là, franchement, je pense pas qu'il va refuser. Je propose de gagner 20 000 euros de plus par mois. C'est quand même un chiffre intéressant, tu vois. Qu'est-ce que je vais voir? Non, c'est bon. C'est bon. Ah, si, l'article. La valeur du club continue à croître. Selon la plus récente estimation, la valeur du club se situerait aux alentours de 90 millions, soit une hausse significative par rapport à la valeur précédente qui était de 75 millions. Un nouvel pour le supporter, pour l'entraîneur qui a une force de travail.
Ah bah tiens, c'est nouveauté aussi. Il n'y a pas ce genre d'article. Donc c'est cool. Un accord à Espagne. Ah oui, j'ai pas de l'euro. Ah parce que là, l'euro, faut que je le vende. Il est pas parti. Ah bah si. D'accord, j'ai pas vu. Un accord plus dur. Éviter de vendre dans l'euro. Mais c'est qu'il est parti à Palerme. Ah si, ouais. Putain, Palerme, quoi. Guingamp, ils ont déconné. C'est pas grave. Donc, on avance. Est-ce qu'il a accepté? Suspense. Transfert. Mais sérieux. Je continue, mon pote. 80 000 euros. Mais je te propose de mettre 30 000 euros de plus par mois. Et de pas jouer le maintien. De jouer Ligue Europa. Ah non, mais t'as celui-là. Non. Putain, mais c'est ce mec qui me propose de gagner 30 000 euros par mois. Au lieu de jouer le maintien, de jouer la Ligue Europa et de viser peut-être la Ligue des Champions l'année prochaine, non, il refuse. Après, j'ai encore Première Ligue, c'est. Ok, tu sais où c'est pas qui part pour moi à 30 millions là, je vais. Ah, voilà. Putain. Il a fallu du temps. Il nous reste un peu de sous. Donc, l'argent qui nous reste sera utile pour pour prolonger des joueurs. Notamment la Croix qui voulait que je le prolonge et qui encore tout. Ou moi qui pars au Barça pour 25 millions. Ça va, c'est pas trop cher. Et ça va regarder vite fait le mercato des autres de Lyon. Donc nous voilà, tout toujours pour 8 millions. Enfin, c'est juste Milinka 8 millions, on a vendu Pierre. On a prêté Pierre Gabriel, prêté Mimek. C'est que des prêts. Que des prêts sauf Roux. J'ai que truc de joueurs. Ok, ils ont recruté et vendu pour 0 balles. Non, rien. Lorient, rien. Mais si on. Ah, ça, c'est le joueur de Dijon. Donc c'est un prêt, à mon ami. Eux ont recruté un joueur gratos. What? Ils ont eu Kostic gratos. Gratos, pardon. Je c'est pas en fin de contrat, parce qu'en fin de contrat, ce sera pas marqué ici. Close. Lille, ok. Marseille, ok. Oh le bâtard, ils ont chaud, putain, mais. Par contre, ouais, ils ont pas réglé la gratos, c'est un peu. Guinan, ok, mais c'est bon. Ah, Guinan est parti à Rennes, d'accord. Bon, bah, comme d'habitude. Ah, si, ouais, ils ont enfin contrat. Donc, c'est-à-dire qu'ils l'auront pas pour tout de suite. Ouais. Donc, on avance jusqu'à la fin de Mercato, de toute façon, il y a un attaque. Ah, si, attends! J'avais une offre de Caramanco, je sais pas si. Ouais, putain, je m'en rappelle. Oh, attends. Bon, je pense que je vais peut-être pas le vendre parce que s'il y a des blessés et tout, c'est peut-être utile. On le marche. Ah, mais bon, vas-y, je parle. On va refuser, des offres. Pour l'instant, il reste. Ce serait bien qu'il augmente quand même avant la fin de saison parce que bon, on espérait qu'il augmente un peu plus. Parce que oui, on a que 4 et 5 défenseurs avec Caramanco. Ouais, 5 défenseurs, imagine j'ai un blessé. Il sera obligé de jouer, tu vois. Donc on va pas le vendre. 95 millions, Robert Lewandowski à une tête. Borjan, l'ancien du Barça au PSG, pour presque 50 millions. D'accord, bon, je sais pas qui est aussi chaud. Strootman qui va à Crystal Palace. Putain, il a annoncé une tête il y a quelques temps. Et ouais, il y a une grave blessure, les hommes. Hop, c'est bon. Mercato terminé, maintenant, on est armé pour aller chercher la Ligue des Champions. Là, jusque là, à la fin de saison. C'est le top 4. On a l'objectif de la Ligue des Champions sur 2 saisons. Donc, si on n'a pas cette année, il faut avoir l'année prochaine. Donc là, encore un match extérieur où Lille qui est devant nous à 1 point. Donc là, il va falloir essayer de faire un résultat. Ce qui va pas être facile. Ouais, mais je suis fatigué, on va être Inigo. Pour son premier match, Inigo qui est vraiment très rapide. Donc voilà, 4 minutes de vitesse, plus d'exercice, 4 minutes d'endurance. 4 points de force, et ouais, il est costaud. Hein. Ouais, il est costaud. Il manque une petite étoile, ça serait vraiment parfait. Lozano, Atal n'a pas le choix, on va le blesser. Inter va faire peut-être tourner Senes. Senes avec Bosswer. Pogba Perrin. Putain, mais tu es pauvre. Il joue tous les matchs. Pour que Senes. Non, non, non. Je suis désolé, Senes, mais en vrai, t'es super chaud, mais ce qui se passe. Tu manques quand même pas mal. Il préfère mettre les meilleurs. En tout cas, c'est un gros match quand même face à Lille. Bon, après, ils sont pétés Lille, mais sur FIFA, ils sont très très bons. Trinquetine il revient quand gros? Oh mais il était blessé au. Pareil que Lozano. Lozano il est déjà de retour et pas lui. Mais bon, c'est comme ça.
Donc, on va essayer d'enchaîner 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires dans cet épisode. Je la mets 203. On va le mettre en vert et en rouge. Hop, on va le mettre en mode domicile. Donc, on est bon, les gars, pour ce match, pour toute l'immersion de ce match avec les nuages, parce que bon, forcément, on est allé, on est dans le nord, forcément, il y a des nuages. Pas plus. Oh, la passe est magnifique! Oh, Tanan, le face-à-face! Yes, les gars, il gagne, passe D! Pour son premier match, il est magnifique. Bah voilà, tout à l'heure j'ai voulu faire la même et Tanan il n'est pas parti. Bah cette fois il est parti en profondeur à Ninka. Magnifique passe D, son pied gauche, Tanan bah je fais pas ça. Bah la passe elle est magnifique, bien jolie les gars. Ça lui fait du bien. Et Tanan, rien à dire. Le geste parfait, c'est son troisième but en Ligue 1, bah joue mon pote. Au coup, si comme ça les gars, on fait une bonne entame de match, ça fait plaisir, on coupe bien. Je prends du plaisir, ça va prendre du plaisir, comment ça me fait de rejouer. C'est parfait, on continue comme ça les gars, on essaie de faire le break comme ça. J'ai encore une fois Talan. Il est tout seul. Ah, dommage, je vais retourner. Bon, là, on a deux tirs. Je sais même pas c'est quoi le deuxième tir. Ah, si, la frappe de Ninga. Donc voilà, c'est un match équilibré. Mais pour l'instant, enfin, c'est pas tout ce que je vais faire. Mais on met nos scores. Donc, on va essayer de tenir comme ça. Ninga qui a fait une passe D. S'il peut marquer, ce serait parfait. Je vais lâcher ton ballon avec Ninga. Oh, Talan, il est encore parti. Il est encore parti, Talan. Oh, Talan, le face à face. Oui! Magnifique! Enfin non, mais ça peut être magnifique, c'est moche! Mais je m'en bats pas les couilles, pH Augustin! Oh, il fait super plaisir, ce but est très important parce qu'on commence à souffrir. En ligne, il était vraiment dangereux et. Enfin, pas forcément dangereux, mais c'était bon. C'était bon l'enjeu. Et là, franchement, au début, je voulais tirer, mais dernièrement, j'ai vu Augustin à côté, juste que la passe. Et voilà, l'agressivité. Il était plus déterminé que son adversaire. C'est son cinquième but en Ligue 1. Ça fait plaisir, on mène 2-0. Et là, maintenant, on va essayer de gérer ce match. Il avait joué. Oh le côté Lausanne. Oh le côté Lausanne. T'es perdu que Korcher. Oh dans l'axe. Oh dans l'axe. Augustin doublé. Et yes les gars. Putain bien joué. Le doublé d'Augustin. Et ben voilà, il n'y a pas Verich. Et bah ben Augustin il prend ses responsabilités. Il est en concurrence avec Ninga. Et voilà, ben il marque des points bien joué. Et voilà, c'est. On est réaliste. On est clairement réaliste. Les Lifs qui jouent très haut, forcément ils sont menés. Et bah ben, ça nous permet d'avoir des espaces. Et ça permet surtout. Augustin, 2 triples à mi, ça fait 3-0. On continue comme ça les gars, le match il est plié maintenant. Mais on va essayer de continuer à se faire plaisir, marquer des buts. Oh, il est parti Nico. La vitesse. La fin de frappe. Le face à face. Et le but. Ça fait plaisir mon gars. Et voilà, pour son premier match, il fait de base Neymar. 4-0 à l'extérieur. On est monstrueux les gars, on est monstrueux. Qui peut nous arrêter? On est invincible les potes. L'équipe va pouvoir compter sur qu'il a l'heure, ils vont changer les deux dames. Mais bon. Franchement magnifique là-bas, je vais faire une roulée, il a fait le premier poteau. Fais comme chez toi, c'est toi qui décide gros. Voilà, il y en a un qui est là-dessus, ça fait 4-0. C'est quoi le but en Ligue 1? 9e, hey, il plante hein, il plante hein. Je vais jouer d'un beau. Oh là là, Ninga. Oh Ninga. Oh tu finis. Tout seul. Tout seul. Oh là 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 là, c'est beau. C'est ça qu'on veut voir, c'est football. Oh mais je joue 5-0 à Ligue en mode légende gros. N'importe quoi. Voilà, il faut équiper tranquillement. Voilà, c'est super bien joué. C'est son 10e but de la saison. Si tu peux avoir 3 buteurs en forme, c'est. Avoir 3 buteurs en confiance dans une équipe, c'est très important. Donc voilà, victoire 5-0. Voilà, l'équipe était devant nous, voilà, il est sur place. Tout à jouer, c'est largement mérité. Et voilà, on a atterri, réaliste, 6 tirs, 5 buts. Et voilà, pas besoin d'occasion pour en marquer. On va voir les notes. Voilà, devant, 2 buts. Deux attaquants qui marquent de doublé, c'est parfait. Et Ninga qui fait une passe D. On a Lozano qui fait encore une passe D. Lozano. C'est Lozano ou Mané qui fait plus de passe D. Mais Lozano aussi il est pas mal en passe D. Donc il gagne 4-0. On gagne 5. Donc ouais les gars, épisode parfait les gars. Est-ce qu'on s'est pris un. On s'est même pas pris un but tout le temps. On a gagné 4-0, tout à l'heure on a gagné. Je suis déjà oublié. Et là on est passé 3ème, moi là on était 6ème, on gagne un match, on est 3ème. On est ma foi un point d'avance sur le 5ème et 2 sur le 6ème. Et ouais, Paris, ils ont perdu des matchs, Paris. Paris, ils avaient des petits points d'avance sur moi. Genre l'épisode dernier, il me semble. Et Paris, ils ont fait un peu la même, j'ai l'impression. Tant mieux, j'ai envie de dire. Je vais aller voir parce que j'ai 5-0. Là, on sera plus 2-0. 2-0, ouais. C'est 9 buts semis en 3 matchs, aucun encaissé, donc c'est parfait. Prochain match face à Lyon, ça va être très important, ils sont devant nous, Lyon en plus.
Donc ce domicile extérieur à domicile, c'est un congé de domicile un peu. Ah ouais. Après, ben ouais, Berry, je suis reposé, donc ça va. Mais j'aurais peut-être genre du SNS. Donc là, moi, je passe à Ajaccio en. Je sais pas quel 8ème ou un truc du genre. Et ensuite, Nice, c'est dans le prochain épisode, il y aura le Djihad face à Rostam. Franchement, il y a vraiment moyen de faire un truc qu'on n'aurait pas dit. Donc c'est parfait. Lyon, ils sont bien deuxième. On va vite fait faire les entraînements. Enfin, simuler les entraînements. Non, on va laisser. Non, on va laisser. J'ai rien dit. On va laisser comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Donc on va faire les entraînements avec le petit Lozano et tout. Et la fond, il est passé à 80 en général. C'est un monstre, c'est un monstre. Et je pense qu'on va avoir un bon budget. Si on fait une bonne saison, on fait ce podium, on aura un bon budget l'année prochaine. Plus la vente de Ruffy, à moins de faire de bons recrutements, franchement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Le placement de meilleur buteur. Avec Ninga et Berich qui sont les meilleurs buteurs. Berich, 4ème meilleur buteur, 11 buts. Et Ninga, le 7ème, avec 10 buts. Et son premier doublé avec Saint-Etienne. Niveau passe décisif. Brissot, 8 passes D. Ah oui, il rigole pas. Mané, 6 passes D. Et Ningas. Ah ouais, Ninga, il rigole pas. Hein. 5 passes D. Et Talan, 4 passes D. Non, ça, il n'a pas eu autant que 7 passes D en fait. Ok, bah il est même pas. Invisibilité, Ruffier, 8ème. Oui, invisibilité, vu qu'il cheat, et 2ème. Bon, je pense qu'il va réussir à rattraper Trap, vu que ça continue. Il est pas dans le classement à la fin. Il a fait 2 clean sheets. Ça va, c'est pas. Après, il faut dire qu'il a. Ouais, mais c'est un championnat. En championnat, il joue rarement. On va se faire un petit rapport d'équipe avant la fin de cette vidéo, les gars. Donc, Ruffier est toujours là, il fait des super matchs. Voilà. 12 clean sheets, bien joué. À la fin, il a fait 9 matchs, mais il a fait 3 clean sheets. Plus 6. Le pire, c'est que il a pas beaucoup de temps de jeu. Je joue pas les entraînements. Donc voilà, c'est vraiment abusé. Mezenon qui est en prêt, donc j'espère qu'il. Il a le joueur moi, je les garde, bah, en mode 710 en plus. Si tu as, c'est cool pour lui. Mal cuit, voilà. Une Catherine en 11 jours, hein, putain, c'est temps. Ça s'est prêté. Perrin, voilà, c'est Perrin, Captain Perrin. Jamais je vais vendre la lucée. Même si la 12 de général, je le garderai dans l'effectif. Le marchand. Non, ouais, il fait de bon match quand même. Quand je vois sa moyenne, mais. Je sais pas. La Croix, il fait de bon match aussi. Ah oui, c'est lui qui veut être prêté, non qui veut une augmentation. Peut-être qu'il a changé d'avis. MBG, très bon match. Il fait très bon match. Paloma, par le dernier match, il sera un petit peu moyen, mais bon, ça va. Senes, dommage qu'il n'a pas le général qu'il mériterait. Bazoar, très très bon. Tabo, très très bon. CV, très très bon. CV, j'aimerais bien le recruter aussi. Tout comme Veretout. J'aimerais bien les re-recruter. Et puis en prêt, quoi. Mané, voilà, dommage, il n'est pas Z. Il faut qu'il soit aussi avec les passes Z. On va recruter, on ne monte pas à 600 000 euros plus Cornier. On le somme. son équipe, et Talan 3 buts, 5 passes D, c'est franchement correct après 19 matchs. Ninga 26 matchs, 12 buts, 6 passes D, il est vraiment chaud. Quand tu vois ses stats, franchement, rien à dire. Et Augustin qui a 7 buts, 3 passes D, il fait une bonne saison. Voilà, il arrivera largement à plus de 12-13 buts, je pense. Et Pierre, tu vois là, c'est le buteur, 18 buts, 3 passes D, toutes compétitions confondues, monstrueux. Mon père, ouais, j'aimerais mettre le moins de plus. Ah ouais, en fait, c'est pas mal. Et j'avoue qu'en buteur, ça va être chaud l'année prochaine. Et Lozano, 6 passes D. Ah, il fait pas mal de passes D, mais en championnat, il a mis 3. Donc voilà. Et ok, l'année prochaine, j'aurai Berich. Et genre Mopé, Berich, Augustin, Ninga. Oh, mais non, mais c'est bon. Genre, ça fait 4 attaquants. Non, mais c'est bon. Ah ouais, non, mais non, Bernardino, ça fera 5 attaquants. J'aurais un choix à faire, je pense pas que je garderai pas 5 attaquants. Je verrai soit quelqu'un ou je prêterai quelqu'un. Donc on verra ça en fin de saison. Donc bref les gars, j'espère que cette épisode vous a plu. J'espère que vous aimez cette carrière. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la carrière, ça fait toujours plaisir pour le travail fait. Et voilà, c'est vrai que je suis moins actif ces derniers temps. C'est vrai que depuis la rentrée, je suis moins actif. C'est vrai que l'année dernière, je faisais une vidéo tous les 2 jours. Là, je fais une vidéo par semaine en moyenne, donc j'ai un peu plus de mal. Alors que, voilà, peut-être parce que je suis en apprentissage et que je travaille, et peut-être que ça me laisse moins de temps, je suis plus fatigué, donc bref, tout ça aussi. Mais c'est vraiment pas sur motivation, je suis toujours aussi motivé à faire des vidéos.
Bref les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Royal, portez-vous bien, ciao.